Vas-y. Vas-y. Voilà. Elle a perdu un œil. La jeune femme a été rapidement prise en charge avec l'aide de son compagnon, Jacob. Qu'est-ce que t'as sur la tête? Nous retrouvons le jeune homme. C'est parti? Oh, qui c'est qui arrive? Jacob affirme avoir été pris en étau entre des manifestants violents d'un côté et les forces de l'ordre qui les auraient empêchés de quitter les Champs-Élysées. Juste ici, là, environ, et moi j'étais à ce côté. Et ici, derrière, il y a des manifestants pacifiques qui ne veillent qu'observer la scène. Sauf qu'ils ont tiré dans tous les sens. Je regarde l'assaut et je la vois tomber d'un seul coup. Et du sang au visage, le visage ça saigne beaucoup et d'un seul coup je vois une plaie sous l'œil et je me dis j'espère que son œil ne sera pas perdu. Jacob a récupéré une vidéo de la scène tournée par un autre manifestant. On le voit tenter de secourir et rassurer sa copine. J'en veux à deux personnes. À la personne qui a donné l'ordre de laisser personne sortir des Champs-Élysées, et ensuite au policier qui a fait feu dans notre direction alors qu'il n'y avait aucune raison. Je pense que toutes les armes, certes, elles sont non létales, en théorie, mais il faut savoir quand même les maîtriser et les utiliser dans les bonnes conditions. La fiancée de Jacob, Fiorine Aligné, est étudiante en philosophie à l'université d'Amiens. C'était sa toute première manifestation. Elle y a laissé l'œil gauche et souffre de plusieurs fractures au nez et à la joue. Depuis, elle est à l'hôpital où son compagnon lui rend visite chaque jour. Aujourd'hui, ça paraît difficile.